tout le monde, c'est Pixie, on se retrouve pour l'épisode numéro 31 de Multicraft. J'espère que tu seras bien, moi ça va super, à part que je suis un peu mouillée parce qu'il pleut comme vache qui pisse, comme on dirait, comme on dit dans le jargon. Aujourd'hui on va faire un petit peu de construction, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la construction. Alors je sais que vous avez prévu un truc assez cool pour cette fois-ci, sauf que ben, j'ai pas eu la possibilité de le faire. Mais aujourd'hui, donc je sais pas si vous avez remarqué, il y a cette petite maison un peu moche qui est ici depuis un petit bout de temps, il y a quelqu'un qui s'est installé, c'était Lolo, je crois, qu'il a fait un peu à la va-vite. Donc que je vais transformer dans cet épisode. Donc vous inquiétez pas, je vais pas tout transformer en vidéo. Vu que maintenant j'ai appris à utiliser le replay mode, et que vous voyez le petit enregistrement en haut à gauche. Excusez-moi, j'ai bugué. D'ailleurs, il faudrait que je l'enlève. Je l'enlèverai la prochaine fois, j'ai oublié de l'enlever. Et bien, je vais vous faire ça avec le replay mode. Donc vous allez voir un mini timelapse où j'essaie de faire un peu plus joli. Alors du coup, j'ai regardé une vidéo un peu pour m'aider. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà, donc on va sans plus tarder faire cette maison. Alors je pense pas que ce sera tout l'épisode qu'on va faire. On va faire pas ça dans tout l'épisode. Mais je vais le tourner en plusieurs fois parce que j'ai pas beaucoup beaucoup de temps en ce moment. Et que ça va prendre pas mal de temps pour faire la maison. Donc c'est parti. Ok, re tout le monde, donc après ce timelapse que j'ai vraiment galéré à faire, on se retrouve aujourd'hui du coup, enfin pas aujourd'hui parce que voilà, mais on se retrouve du coup juste après. Donc voilà la maison, donc vous avez pu la voir avec le timelapse. Alors j'ai changé 2-3 trucs je crois, je me souviens un peu ce que c'est parce que j'ai fait une pause entre temps. C'est assez stylé. Donc alors je suis très nul à la construction ça de base, vous le savez hein. Vous le savez sûrement. Et donc du coup je suis allé voir la vidéo de Aurélien Sama qui a fait une petite vidéo donc comment rendre votre maison plus jolie en quelques minutes, que je vous conseille pour les gens qui savent pas vraiment trop construire. Et franchement ça va vraiment un effet super joli. Donc voilà. Franchement je pense que c'est lui que je vais regarder à partir de maintenant pour des conseils pour build. C'est la peluche qui me l'a conseillé et franchement elle est super. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà l'intérieur, vous l'avez pas pu trop le voir. Alors là j'ai mis un peu de stone et tout. D'ailleurs j'ai littéralement oublié de faire le derrière en stone. Alors oui, il y a Katio qui est connecté avec The Fanta qui s'amuse un peu. Voilà. Hop. J'ai complètement oublié de faire ça.
Et du coup, j'espère qu'il vous a plu le timelapse parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec mon ordinateur. Enfin, c'était assez chaud. Parce que je sais pas, il disait qu'il y avait un souci et tout. Mais franchement, je suis content du résultat. Alors, oui, aussi, ça m'a stressé en fait. Je vais vous montrer. Dans le timelapse, on voit en fait. Alors, je vais vous montrer. Hop, ici. On voit là, c'est pas très symétrique. Bon, là, j'ai remis bien. Je sais pas, vous regarderez à la fin. En fait, c'est pas symétrique par rapport au escalier. Et j'ai aussi fait un petit dégradé de couleur ici. Ça fait vachement bien. Alors, je sais pas s'il faudrait que je le fasse aussi sur ces côtés-là. Je sais pas ce que ça pourrait donner. On va tester. Voir ce que ça donne. Pour tester de nouveaux trucs. Alors, je lag un peu. Je sais pas pourquoi. Hop. On va tester du coup de le mettre. Je sais pas ce que ça pourrait rendre bien. Ouais, du coup, si vous avez essayé de battre en construction, j'espère que vous avez appris des trucs. Ah, ouais, ça fait stylé comme ça. Là, il y a un peu zombie. Et si vous avez bien regardé pendant le timelapse, à un moment, on voit un zombie en armure en cuir apparaître derrière. Genre, j'ai mis un shader et tout, on voit pas vraiment, mais si vous avez arrivé à le voir, mettez-le en commentaire, mettez-le à la minute. Alors, peut-être on va mieux torcher ici parce que ce serait débile qu'il explose. Donc là, pour la suite de cet épisode, ça va être des trucs un peu moins spectaculaires parce que ça a quand même pris énormément de temps à faire. Déjà, on va torcher bien toute cette zone. Je tenais à le faire en vidéo parce que je trouve que c'est important. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en fait récupérer toutes les plantations de chez moi, vous savez, dans le sous-sol là. Et on va les replanter après, histoire de... Ça sert à quelque chose. J'ai encore une carotte. Donc voilà. J'espère que le petit timelapse vous a plu. On va commencer par l'agriculture parce que là il fait nuit, c'est un peu chiant pour pouvoir torcher. J'espère vraiment pas que je tombe sur des creepers parce que si je tombe sur des creepers, il y en a un là. S'il explose, je vous jure. Je vous jure que je rage. Ok, c'est pour ça là, c'est pas du tout torché. Là, vraiment que je torche un max, histoire vraiment qu'il n'y ait pas aucun creeper. Fais attention Lucas. Il y avait une araignée qui me poursuivait. Ok, et du coup ça rend vraiment bien. Là on la voit pas, elle est difficile à voir. Je meurs. Ça rend vraiment bien de loin. Du coup après j'en ferai plein de petites comme ça, peut-être un peu différentes, mais. Et voilà, oula lui il y a un arc enchante. Il y a un creeper là-bas. Vu que j'ai pas mon armure en diamant, j'ai juste mes élytras, c'est un peu chaud de se battre. Creeper. Ok, il est mort. On va se réfléchir. Oh là là, c'est quoi cette tour de terre chez moi là? Ah, j'avais pas vu ça, tiens. C'est inacceptable. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Mais ok, bon, on va l'enlever et puis si ça recommence, j'irai gueuler. Oula, il y a un zombie là. Alors, est-ce qu'il va pas les petits coups de lag hein? Bon, alors, je peux pas le réparer donc il faut qu'il se casse. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Du coup, on va rentrer chez nous. Alors oui, aussi, j'ai eu un petit... super, c'est pas une petite chasse au trésor. Voilà, il faudra qu'on la fasse aussi. Hop, qui est là. Hop. bon, allez, on va dormir. Hein. Il faut surtout de la nourriture parce que... je suis mal. Ah mais ouais, les autres ils dorment pas. Bon tant pis. C'est pas grave, on va tout de suite descendre. Je vais un peu vider mon inventaire au niveau du bois, tout ça. Parce que j'ai rien fait, j'ai pas vidé. Alors. Hop, comme ça va me rajouter des matériaux pour la prochaine construction. C'est très bien. Hop, voilà. Il y a encore des trucs à placer. La pierre. Hop, 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 j'ai oublié des escaliers.
Voilà, tablis, voilà, cuir. Alors, le cuir, soit je sais pas, soit je le mets là, soit je le mets à côté. Je vais le mettre là, cette fois-ci. Les os. Ici, le gravier en balance. Et les vitres. Ça va. Là. Ok, c'est bon. Là, j'ai l'inventaire. Tranquille. Du coup, il faudra qu'on continue ici aussi, parce que là, j'ai fait que deux salles. Il faudra après qu'on fasse plein d'autres salles qui ont une utilité différente. C'est la petite ferme que j'utilise pas, hein, mais j'utiliserai peut-être. Oh cool, ça s'est bien rempli ici. Un peu de nourriture là. Ça fait pas mal, pas de mal. Ouais, du coup, peut-être qu'on utilisera un petit peu de culture qu'on a ramassée. Tiens, tu veux à manger. Culture qu'on a ramassée pour un peu les nourrir. Voilà, voilà. Donc, il y a tout ça à ramasser, il y a tout. Hein. Donc, on va tout enlever en un coup. Et après, ça se mettra bien. On peut mettre tout ici. C'est parti. Alors là, j'adore. C'est trop bien. Quand on casse tout comme ça, ça fait tellement du bien. Hop. Il y en avait qui n'avaient pas encore poussé. Quelques-uns. Hop. Hop. Ok. Super. Toutes les carottes que ça fait quoi? Oh, c'est énorme. En vrai, quand même, j'ai vu les choses en grand. Hein. Là, regardez tout ce que ça me donne. J'ai même une pâte empoisonnée. Ok, et la petite betterave. Il faut finir la petite canne à sucre. Elle peut pas vraiment pousser très très haut, mais bon, ça me dérange pas, parce que dans les cannes à sucre, il n'y a pas vraiment besoin. Donc voilà, regardez tout ce qu'on a là. Ok. Alors il faut pas que je me trompe. On va poser avec les betteraves, parce que je sais qu'elles étaient là. Vas-y, mange si tu veux. Hop. Bien. Vraiment, moi j'adore hein, cet endroit, je sais pas, il me plaît beaucoup. Alors, le petit souci, c'est que j'ai eu un petit prank et du coup, ça m'a glacé quelques endroits. Ah, et là, j'ai la terre a été retournée. Je vais chercher mon seau d'eau. Comme ça, je peux bien remettre. Il faut une houe. Alors, une houe. Est-ce qu'il y a une houe ici? Je vois pas. Non, il n'y en a pas. Pas grave, on va en faire, de toute façon on va en faire une en bois, hein. Le matériau de la houe, on s'en fiche. Par contre le lag, s'il te plaît, arrête, très clairement arrête. Hop. Ah, j'avais du poulet là. Voilà, et puis mon seau d'eau comme ça. Non, en tout cas il y a de l'eau, enfin il y a un seau. Comme ça, je peux bien remettre. Alors, il faut que j'aille récupérer de l'eau. Est-ce que j'ai remis de l'eau ici? Ah oui, j'ai remis de l'eau. Okay, du coup, j'ai une source d'eau infinie juste au-dessus. C'est très bien. Hop. Là, pour le coup, je casse un peu de terre. Juste histoire de faire une tour d'infini juste ici, voilà. Hop, voilà. Ah, enlever ça. Ah bah ça sert à rien ce que j'ai fait en fait. Je pensais que ça allait pas mettre de l'eau. Mais si. Donc en fait ça veut dire que ça a fondu naturellement, c'est bizarre. Alors la source a été là, d'accord. C'est très étrange. Ok, alors là, il y avait quoi?
La carotte, d'accord. Oh, mais arrête de manger des carottes. On plante tout tranquillement. Oh, on est devenu fermier aujourd'hui. Voilà. Là, il y avait les patates. Ah, là, il y a un petit problème. Ah oui, parce que il n'y avait pas cette lumière. Il faudrait que je mette de la glowstone ici. Du coup, si vous avez des idées, alors tout ce que vous voulez, hein, des idées de défis, tout ça dans les commentaires. Si vous avez des idées de. Enfin, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette salle en plus que je n'ai pas. N'hésitez pas à me dire. Peut-être des machines, des trucs de Resson, mais c'est assez compliqué pour moi, même si je peux le faire hein, avec des tutos, tout ça. Voilà, et les graines de blé. On met partout. Voilà. Je vais pas tomber dans l'eau. Après on se fera un masse torche. Alors je sais pas si si j'ai beaucoup de charbon. Au pire si j'en ai pas assez. Je ferai une ellipse parce qu'après sinon on va retourner miner. Ça va durer 2 ans. Ok, ah, ça va vite quand même les graines de blé. Ça s'use vite. Hop. Et voilà, tout ça va pousser tranquillement. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Du coup, on va reposer tout ça. Là, on a combien d'épisodes? On doit être à peu près à 17 minutes. Du coup, je vais reposer tout ça, là. Tout ce blé. Tous ces trucs. Hop. Coup, ça me fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de nourriture en plus. Là, on peut en être certain. Du coup, ouais, je vais nourrir les petits animaux qu'il y a en dessous. Ok, alors les cochons, venez là, vous n'êtes que deux en plus. Voilà. Les petites poules, enfin, j'ai pas de graines pour vous, désolé. Et les moutons, venez, hop. Hop, et j'arrive pas à avoir le dernier là. Il y en a pas là. Et les vaches. Voilà. Comme ça, je reviendrai assez régulièrement, si j'y pense, et je les ferai se reproduire. Bon, bah, du coup, je vous fais une petite ellipse. Je vous retrouve quand j'ai mes petites torches, quand j'ai posé mes affaires. Et je vous reprends quand je suis dehors pour pouvoir torcher toute cette zone. Regardez, j'avais même pas vu. J'ai plein de charbon ici. Donc, voilà. Là, j'ai pas besoin d'aller miner. Hop, donc on se reprend pas sur le encore sur le champ de bataille. Hop, je cache ça. Donc c'est par là. Là, il va y avoir beaucoup de torches. C'est moi qui vous le dis. Donc là, c'est mission vraiment torchage de zone, hein, franchement. C'est tout à fait ça. Il doit faire jour là. Oui. Donc, on va bien faire le travail. J'ai quand même envie de lire ce livre. Vous savez quoi, on va le lire. Juste pour l'intrigue. C'est un trésor de Super C pour Pixie. Tape 1 à 10, parcours, mais pas de dieu. Ok. Je pense savoir déjà. On verra. Je sais pas si on va faire un prochain épisode. Je pense. On verra bien. Alors, déjà, je sais qu'ici c'est tout bien torché autour de ma maison, mais quand même. On continue parce que les torches, on en a plein. Hop. Voilà. Franchement, on n'hésite pas là. On n'hésite pas du tout. Du coup, oui, donc voilà, si vous avez vraiment envie de vraiment dire tout ce que vous voulez en commentaire, hein, des trucs intéressants, bien évidemment, c'est pour dire de la connerie, mettez rien, par contre, j'étais lag. Et moi, de toute façon, je lis tous vos commentaires parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc, oh là là, c'est assez horrible, ces petits lags, je sais pas pourquoi il y en a. Donc, voilà, vu que je lis tout, ben, je pourrais tout savoir ce que vous dites. Et du coup, je pourrais en parler en vidéo. Si vous voulez, si vous mettez un commentaire intéressant qui traite de l'épisode, etc. Je vais parler en vidéo et puis j'expliquerai un petit peu voilà, si on va faire ce que vous avez demandé, etc. Là, pour cet épisode, j'aimerais bien que vous mettiez des idées de salles à faire. Par contre, c'est super chiant les lags là, hein, ça me saoule un peu.
clairement ça me saoule un peu, je sais pas pourquoi ça lag d'ailleurs. Ça c'est étrange. Voilà, donc des petites salles, je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Un écurie ou des trucs du genre, parce que c'est vrai que j'ai pas fait d'écurie. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas trop mal. Je vais pas faire un tout du style ferme à bois, parce que ferme à bois déjà la peluche a fait. Et moi très clairement au niveau redstone c'est très bas. Et vous avez vu ce qu'elle a dû faire pour faire la ferme à bois. Je pense que je pourrais jamais faire un truc du ce style. Hop. En tout cas, elle a beaucoup de patience. Et moi, je suis pas vraiment très très patient. Là-bas, il y a un petit villageois aussi qui est enfermé. Il faudra que je fasse une petite maison. Je sais pas ce que je vais faire. Ok, j'ai déjà utilisé 75 torches. Oh là là, par contre, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Tourne bien. Bien tout le tour. Après, si j'ai envie quand même de fermer un palais monstre, faut que je me fasse une petite zone, mais assez éloignée de chez moi. Là, il y a un creeper qui a explosé. Alors, je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est des gens qui se battent, c'est moi qui rebouge pas. Ça me saoule. Ça m'énerve. Genre, j'utilise la tour de terre là. Ça a un petit peu mis en rogne. Et c'est là qu'aussi ça met en rogne. Ces frises font que d'apparaître. Ça m'énerve un peu. Allez. Mais du coup ouais, on n'aura jamais fait de timelapse sur ma chaîne. À part, enfin sinon c'est même pas un timelapse. C'est la plus qu'avait fait le petit trailer du multicraft. C'est même pas moi, hein, ça je l'ai dit par contre dans les commentaires. Et franchement il a bien géré. Je pense qu'un jour je pourrais faire pareil. Je commence un peu à réussir avec ce mode. C'est le replay mode que j'utilise. Il est vraiment très très bien pour faire tout ce qui est timelapse et tout. Et encore une fois j'avais regardé une vidéo d'Aurélien Sama pour... l'utiliser. Hop, allez. Si vous avez des questions par rapport au replay mode, je serai d'y répondre. Si vous l'utilisez. Oh, c'est trop, 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 trop chaud. Ce petit lag là. Hop. C'est vraiment pas du tout torché. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée de torcher avant. C'est méga dangereux. C'est un creeper qui expose mon chemin. Que j'ai galéré à faire. Écoutez, je vais faire une ellipse. Juste le temps que c'est là. J'espère qu'ils vont partir. Et puis on se retrouve juste après. Si les lags partent, j'espère. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Je sais pas du tout si ça a marché. Ça lag, ça crache, ça frise un peu moins, mais bon. Quand même quelques frises de temps en temps. Hop. Voilà, comme celui-ci. Mais en fait, j'ai l'impression que ça se gêne. C'est quand je pose un bloc, je sais pas, il y a un problème au niveau de mon Minecraft. C'est vraiment super gênant là. Oh là là, c'est pire que tout à l'heure. Mais par contre, là, il fait nuit, donc là, j'arrive à bien voir comment j'ai torché. Hop. Je pense qu'on va pas s'arrêter, de toute façon, parce que là, ça commence vraiment à être chiant. Ça faisait pas ça tout à l'heure, et puis dès qu'on est allé dehors, ça lag. Du coup, bah ouais, du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Un petit ou un gros, c'est comme vous voulez. Si vous voulez plutôt du genre mettre des gros gemmes, bah, vous mettez un gros gemme. Alors là-bas, il y a une araignée, il faut faire attention. Il faut faire très attention à l'araignée. D'ailleurs, il est où mon plastron? Je sais même pas où est-ce qu'il est. Là j'ai tout. Là, j'ai le lag, j'ai le freeze, j'ai le tout. Ouais, voilà. Donc, abonnez-vous surtout, surtout, c'est le principal. Si ce n'est pas fait et que si vous regardez les vidéos, parce que franchement. Voilà quoi, c'est un signe de respect. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous parce que il y a quand même pas mal de travail derrière. Je tiens à vous le dire. Là-bas, la lave, ça fait quand même un petit peu de lumière, mais quand même, on va torcher. Hop, et puis voilà, j'arrête de torcher, on va s'arrêter. Donc, si les petits timelapses vous ont plu aussi, bah dites-le moi dans les commentaires, comme ça je referai plus souvent. Et puis. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 32. Bye bye tout le monde.